Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? Il est là. Yo. Il est là. T'es Yo. chaud, Stevix? Bah, chaud à me faire péter, ouais. Ah, hé, hey, attends. Parce que tu fais le modeste depuis tout à l'heure, hein. Première game, Moi. t'as fait ça. T'as fait, ouais, non, mais je vais me faire défoncer la rondelle. Tu gagnes. Deuxième game, ouais, non, mais je vais me faire défoncer la Ouais. rondelle. Tu gagnes. Et J'étais là. mal parti quand même, C'était hein. 3-0, hein. 3-0, tu Ouais. prenais. Ouais, Ouais, 3-0. grosse remontada pour gagner contre Lulu. C'est pas n'importe qui, Lulu. C'est quand même un Ah, joueur Lulu, il est bon, hein. Il est diamant très plus, très bon. quoi. Il est très bon. Ah, oui. Alright, I've got to show you guys. I'm in Pro League. Sur ce, alors, on va pouvoir lancer, on va pouvoir enlever le versus, faire apparaître l'overlay, demander si les joueurs sont prêts. Êtes-vous prêts? Oui. Eh ben c'est parti. Achève les poulets. Oh, tu le sens le mind game. Garage pour Bibou qui commence en défense. On a banni Doka qui est ch... H. Marrant, H. Hein. C'est bon, ça reste. C'est pas forcément un Jackal ou un truc comme ça relou. Jaeger, pourquoi pas. Frost aussi. Mais toujours pas de ban de Castle, hein, qui, comme je le dis, est assez compliqué quand même quand on est sous le coup d'un level plus 3, même plus 2, pas de gadget. On l'a vu tout à l'heure avec Jay qui a fait un magnifique kill en faisant ça. C'est Stevix d'ailleurs qui avait fait un magnifique kill. Ah bah justement, Stevix sur Nock. Oh, le mind game commence. Oh, il est en bas. Il a un C4, hein. Full débile. Le problème c'est qu'il joue machin là. Ouais, je sais pas. Eh ouais, le petit Mozi, bien joué de la part de Bibou, qui l'a déjà fait tout à l'heure face à Mary. Attention à Bibou. Attention à Bibou, forcément. Dommage, dommage. Il y avait moyen. Pourquoi j'ai pris Mozi? J'ai envie de le tenter, les gars. Je le tente. Je le tente. Pop, 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 pop. Stevix, à chaque fois qu'il nous sort du gros mind game, renfort des trappes pour pas être emmerdé et pour pas tomber dans sa propre trappe. Parce que quand t'es avec l'âge, souvent tu regardes pas ce qu'il y a sous tes yep. Bon, les fils barbelés chelous. Qu'est-ce qu'il a envie, vous pensez? Il a envie de le faire danser et de le niquer avec le taser? Ah, il n'y a personne ici, on le rappelle. Bibouk est sous couvert d'un handicap level 1. Donc il n'a pas le droit de droner, mais il a le droit d'aller chercher des petites traces de pas. Surprise! Ah, mais je peux. Je pense pas qu'il va pouvoir tenir. Bah ouais, je pense pas qu'il va pouvoir tenir. Oh là 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 là! Oh! Il l'a tenté! Il l'a tenté! Ça a failli passer le 3-6. Ouais, mais contre des pros, ça marche pas, ça. Et derrière, on a pris un Blackbird. On va avoir tous les opérateurs dans ce duel, quasiment. On a vu quasiment tout le monde. Carrément. Oh, c'est pas con du tout, encore une fois de plus, ce qu'il a fait. Oh! Mais on s'est pas fait bait du côté de Bibou. On va voir. Ah, ouais. L'explosion énorme. Et c'était une fois de plus extrêmement smart. Il n'a droit qu'à l'arme secondaire. Donc forcément, on va aller chercher la SMG de Sledge. Ah, normal, tu m'étonnes. Mais il n'a pas le droit d'utiliser ni son marteau, ni son drone, ni ses frags grenades. Donc ça reste une SMG. Mais c'est pas simple. Et derrière, forcément, on l'a le mind game de Stevix. Il prend le castle. Et du coup, obligatoirement, Bibou ne peut attaquer que par les castles. Oh, attends. Alors, tout dépend de comment il les met. Comment est-ce qu'il les a mis, là? Bah non, attention, parce que là, s'il se fait décaler direct... Oh non, non, non. Non, pas comme ça, Zinedine. Mais il le sait qu'il n'a pas le droit de droner. Il le sait qu'il n'a pas le droit... Il a droné? Drone? Drone, je suis archi con. Ah. Ah!
Merde, top top. Il est sur invisible, mais il a pas le droit d'utiliser ni sa compétence, ni les impacts. Comme ça, pas de problème. Non. Oh ! Le brain monstrueux de la part de Civix ! Monstrueux, 300 000 IQ. Amaru, sur site, il a vu qu'il y avait personne, il s'allonge. Derrière, il n'y a plus de crosshair placement. Il sait pas, il sait qu'il est sur site. Mais où ? Il s'allonge, il casse le crosshair placement, s'allonge derrière le canapé et il prend l'avantage. Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Ah là, il va le perdre. Ah, c'est vraiment pas bon qu'il se soit fait avoir comme ça. Et bien joué, bien joué. Il le voit. Ah, fallait le faire tomber, Stevix. Fallait le faire tomber tout de suite. Parce que là, il peut même pas capitaliser là-dessus. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Il casse complètement la ligne. Eh ouais, il le sait. Il le sait qu'il est en hauteur. Il le sait. Oh, et le shield intelligent. Oh, très intelligent le shield. Et il va reprendre son drone. C'est nice. Tellement smart de la part de Stevix. Mais là c'est compliqué. Ouh. Pou pou pou. L'homme aux 200 IQ. Que dis-je, 3000 IQ. Quel génie. Oh, il a pas vu le drone. Il a pas vu le drone. Et là, on va perdre le drone. Ah, c'est dommage de la part de Stevix. Alors qu'en face. Oh là 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 là. Oh le jackal. Oh le jackal, ça fait mal. Il joue super bien, Stevix. Super bien. Hey. Sauf ça. Et là, ouf, il prend une balle, Bibou, quand même. Et ça se joue sur ce petit détail, effectivement, rentrer à cet endroit-là. Down to 10 seconds. Bruh. Ouais, il l'a vu. Eh ouais, Bibou a bête complètement. Ouh là là. Et ça, c'est smart encore. Oh là 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 là. C'est smart des deux côtés. Civix, il sait que faire péter une fenêtre, bah ça va mettre du doute parce que t'as des bruits. Derrière, il a tout de suite compris, Bibou. S'il y avait quelqu'un à la fenêtre, c'est qu'il voulait tenter une sortie. S'il voulait tenter une sortie avec l'arme qu'il a entendue, c'est la caméra. On écoute. Oh, oh, oh. Ouf, ouf. Oh la chatte que j'ai, putain. Incroyable. Bon, ouais, galère. Il a perdu son enfant. Il va à la garage. Et derrière le pré-shot à l'endroit où il pourrait venir deny l'Aibana. Voilà comment on joue à Rainbow Six. Avec ses mains. Et surtout avec son cerveau. Le pré-shot était parfait. Si Bibou vient deny l'Aibana, il se fait bait. Oh, oh non, non, fallait pas donner. Ah oh, là, il y a la petite erreur, le trigger control. Oh, il aurait pu attendre. Venir coller le petit one tap.
Oh là là, oh là, tranquille, tranquille, tranquille. Attention, c'est... Oh, oh, oh. Il me laisse sans voix, et vous? Et du coup, pas de caméra pour Stevix. Qui a le droit d'utiliser ses renforts, qui a le droit d'utiliser ses seringues, son gadget. Juste un level 1, mais pas de cam. Donc Bibou, déjà, on l'a entendu. C'est un peu con, entre guillemets. Il avait pas besoin de casser la cam. Il a tiré sur une cam, on a entendu dehors. Pas du tout besoin. On prend l'info et on perd pas le drone. Important. Bibou, il a tout là. Il peut tout péter. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Mais attention, parce que derrière, c'est un doc. C'est un doc derrière. Ça peut faire mal, le doc. Mais non. Oh, faut pas l'énerver, Captain Bibou, non plus. Faut pas l'énerver. C'est très bien de jouer les escaliers. Hein. C'est très très bien de jouer les escaliers. Et ça drone du côté de Bibou. 1 minute 25 au compteur. On le rappelle, 2 minutes 30 et pas 3 minutes. Oh, et on a vu le trou. S'il rentre par là, c'est la mort assurée. Attention, Captain Bibou. Tout se joue maintenant. Et Bibou, dans le stress, il a plus l'habitude. Mais c'est lui qui a l'attaque, c'est lui qui a tout à faire. Et il sait pas. Il sait pas comment attaquer. Oh là 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 là, les petites lignes qui s'est fait. Les petites lignes, elle va faire mal celle-là. Elle va faire mal. Elle va faire mal s'il face check. Il va redroner Bibou. Bien sûr qu'il va redroner. Il va pas face check. Et on perd énormément de temps. Si, on va prendre l'info. On va prendre l'info maintenant. Et là, tout va jouer maintenant. On a l'info. Du coup, ça va bouger de l'autre côté. Il est un peu obligé de bouger, Stevix. Et il sait plus où aller du coup. Et d'ailleurs, on va prendre la place de du défenseur pour l'attaquant. Et c'est bien joué de la part de Bibou. 20 secondes, il faut aller contest. 50% passé. On l'attend. On pré-shot. Et forcément, on va décaler en bas. Ça va jouer maintenant. 10 secondes, 13 secondes. Et on décale. Et c'est la tête. Ouh. Et c'est Bibou qui l'emporte. Magnifique.